Bonjour à tous, si on prend ce nouvel épisode parce que on va commencer d'abord par une mauvaise nouvelle, alors surtout pour Antoine et Amol, parce que simplement c'est très simple, ils ont cheaté, voilà, ils ont cheaté, donc dites-vous que cette base, leur base que vous voyez là, ainsi que tout ce bâtiment là, sera démonté, oui, sera démonté normalement, et pourquoi? Bah attendez, on va aller, c'est pour ça que je suis en mode spectateur, c'est pour ça que vous voyez pas la barre, on va aller dans ce terrain, vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors pas ici, mais on le voit. On le voit notamment, alors là, on le voit notamment, regardez la forme de leur première grotte. Je prends notamment de, regardez ces grottes là. Vous allez pas me dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Regardez, il laisse les trucs à travers, regardez. C'est ça, ce genre de grotte, ce genre de minage, c'est ce qu'on appelle du minage X-ray. Et malheureusement, comme sur tout serveur PVP qui se respecte, le X-Ray c'est interdit. Là on voit par contre que c'est du minage opti. Donc ça prouve qu'ils ont utilisé, mais ça prouve qu'ils ont quand même, ils ont été réglés à un moment, mais en tout cas, d'après ce qu'on a raconté, ils ont d'abord utilisé X-Ray, parce qu'on voit que c'est quand même les bases, et après ils ont utilisé du minage opti. Malheureusement ils ont utilisé du X-Ray, et malheureusement la sentence est tombée. Ça, quelle sentence, de quoi parlez-vous? Ben, c'est très simple. Ils n'ont toute leur base, tout simplement, va être démontée, voilà, ils n'auront plus le droit de l'utiliser. D'ailleurs, ça se voit, regardez, ça se voit normalement, et notamment, regardez de ce côté-là, regardez, on voit notre, regardez, ça, c'est du minage X-Ray, ça, c'est du minage X-Ray pur et simple, regardez, ça se voit, ça, c'est du minage X-Ray, et franchement, c'est typiquement, mais typiquement interdit. C'est con, parce qu'on voit qu'en plus, ils avaient commencé à explorer, ils avaient des zones sympas et tout. Malheureusement pour eux, ben voilà, obligés, ils vont être obligés, malheureusement, pour eux, c'est un ban de 2 semaines, suivi d'ailleurs de interdiction durant les semaines qui suivent après d'utiliser tout simplement tout ce qui est usine, c'est-à-dire comme la mienne par exemple avec mon usine AXP, etc. Et bien sûr comme la leçon qu'ils ont fait, ils vont juste recommencer sur une nouvelle île. Bon, par contre aussi ça veut dire qu'ils sont aussi exclus de l'event de Noël. D'ailleurs on voit d'ailleurs qu'ils ont même pas bien éclairé leur île. Bon c'est dommage parce qu'ils avaient fait, ils avaient des trucs sympas, ils avaient quand même, mais bon voilà les gars, quand on triché n'est pas joué, donc malheureusement désolé. C'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de grotte, on va aller aux miennes et je vous dis à tout de suite. On se trouve maintenant, pas dans mes grottes, c'est-à-dire dans la grotte de ma base, mais plutôt dans les grottes qui me restent à explorer au niveau de l'usine sorcière. Alors, faut savoir que le mineshaft, j'ai commencé à l'explorer, regardez, ça se voit, j'ai déjà commencé à l'explorer pendant que je vous parle. On voit d'ailleurs l'usine sorcière qui est ici, enfin du moins la chute de l'usine sorcière. Et vous voyez qu'il me reste encore un paquet de zones à explorer encore, vous voyez notamment tout ce côté-là, par exemple, qui reste encore à explorer. Un côté aussi qui va pas me plaire du tout. Je le vois, ces araignées là, il y en a deux l'un à côté de l'autre. Je l'avais déjà montré, mais je sens que je vais très très fortement galérer. C'est pour ça que je vais pas enlever la flotte, je vais le remettre. Quitte à le mettre. Oh putain, je sais pas comment je vais faire ça, mais j'ai intérêt d'y aller super prudemment. De regarder où je suis rendu. Mais d'aller super prudemment dans ce côté là. Là c'est pareil, parce que là je sens que ça va être la galère, mais la galère. Et le problème c'est qu'il faut que j'éclaire absolument, quitte à utiliser de la lave pour carboniser tout ça. Mais franchement je peux vous dire, ça va être extrêmement le bordel. En tout cas ce qui est bien, c'est qu'au moins de ce côté là, c'est quasiment fini d'éclairer. Je suis rendu à peu près à la... Il y a encore à ce secteur là. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai déjà quand même exploré, commencé à explorer. Regardez, déjà on est pas loin, ce secteur là il est quasiment fini d'explorer. D'ailleurs on voit que c'est le bout du mineshaft hein, de ce côté là. Donc c'est parfait, hein. Par contre ces grottes là, après j'ai pas besoin de les explorer plus, heureusement. C'est vrai, j'ai besoin de les explorer parce qu'on voit que c'est assez éloigné, mais il me reste encore un petit bout de chemin. Ici ça va être le plus facile je pense à explorer, et puis après bah, je serai tranquille. Ouf, allez, cette fois on se retrouve à mes grottes. Dites-vous qu'il s'est passé 3-4 jours depuis la dernière séquence. Alors bon voilà, donc déjà on est ici. Et surtout vous pouvez voir que, regardez, ça a très bien avancé ici. Ici j'ai fini de mettre mes lanternes. Alors par contre dites-vous que pour avoir 2 lanternes, enfin à peu près 1 heure. Donc voilà, donc c'est assez chiant à avoir. Par contre vous voyez que j'ai avancé ici. Et pour cause, parce que regardez ici, en fait ici je vais mettre une petite salle pour avoir... Bon je pense que vous avez deviné, voilà je vais faire tout simplement une petite machine pour avoir de la canne à sucre. En même temps ça va être la période de Noël, donc je dis pourquoi pas faire des petits... Bon, au lieu de faire du sucre d'orge, je mets un peu de canne à sucre, parce qu'on va en avoir besoin. Ah oui, alors ça oui, faut savoir que à l'heure où je filme, pareil, il y a un peu de monde. Donc d'ailleurs, on va aller d'ailleurs, on va remonter, parce qu'il y a un truc qui a été fait. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez la miniature de cette vidéo, c'est pas une grotte, mais c'est, oui, on les voit d'ici, regardez, on les voit d'ici.
on a fait le Fantabopis version Waka. Voilà, voilà. Voilà pourquoi je dis que ça passe 3-4 jours après, parce que dites-vous qu'au moment où on filme, en fait, on l'a fini. On vient de le finir, en fait. Et donc, on va s'y approcher. Il est quelle heure au niveau du jour? Ah, il va être nuit. Bon, il va faire noir. Bon, on va sortir comme ça, c'est parfait. Comme ça, vous allez pouvoir voir, en fait... On l'a fait, regardez, on voit le tatouage du Lénon derrière. Par contre, bon, ça va, il a enlevé la neige, parce que dites-vous, ouais, à cause de la neige que je lui dis que ça lui faisait des pellicules, je me suis déjà pris une flèche dans la tronche, et puis voilà. On peut voir d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ma pickaxe est beaucoup plus amochée que la dernière fois. Et encore, je crois que vous l'avez même pas vu, je crois, en plus. Enfin, je peux même pas vous dire. Voilà, tac. Voilà, regardez, on a fait un peu de terraforming d'ailleurs ici, hein, ouais, ça se voit hein, d'ailleurs. Hein. Si j'ai rebouché, je me rappelle, il y avait un trou. Ici, on a fait une rivière, pourquoi? Parce que regardez. Regardez, comme d'habitude, hein, voilà, sauf que cette fois, au lieu de donner dans la piste, ça donne sur un petit lac, on peut voir, pendant, regardez, ils pissent vraiment chacun de leur côté. Par contre, on voit qu'il y en a un, par contre, qui arrive en fin de vessie, aïe, en fin de vessie, aïe, 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 voilà, 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 j'ai dit qu'il avait des pellicules, je m'en suis pris plein la gueule, malheureusement, et donc, voilà, oui, quoi, voilà, il y a Ouma qui est là, dans les 30 secondes, est-ce que tu peux... Viens, il faut qu'il m'aura compris. Est-ce qu'il va réussir à... Voilà. Allô? Oui. Oui, voilà, voilà. Alors, merci pour la flèche. Tante, comment t'as fait pour savoir que je lui dis qu'il y avait des pellicules à Bob? On les voit d'ici, d'ailleurs. Aïe. C'est par la pensée. Il est devant la pensée. Aïe, 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 aïe. Bon, bref, on va... Donc voilà, vous pouvez voir qu'on a donc on l'a fini, donc le Fantabopis version Waka. Alors moi j'ai pu faire les tétons, voilà, ici comme vous avez pu voir. Et là il n'a pas encore fait, il a encore fait. Il manquait 2-3 petits détails, de toute façon c'est pas compliqué, hein, il faut juste qu'il finisse encore l'éclairage, je crois, c'est ça, hein, il n'y a pas encore trop grand chose à faire. Ouais, l'éclairage est bon, l'éclairage. Ah bon, c'est bon, t'as fini? Oui, c'est bon, en tout cas voilà, tandis qu'il me bombarde de flèches enflammées, il a envie de. Que j'ai le feu au cul, voilà, le terme exact employé. Je pense que de toute façon, sachez que alors, normalement t'as enregistré en timelapse, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, voilà, je montrerai soit les restes finis, soit les constructions. Ouais. Mais si la construction est assez moche, je la montrerai d'un seul tenant en extra. Voilà, ok, donc voilà, vous voyez voir que bon, ça c'est moi qui est. Bon, j'en ai mis qu'un et il en a rajouté un autre, donc vous voyez voir que. Aïe! Mais aïe! Tu es au courant qu'on va. Attendez. J'ai mis la terre dans la flotte, j'ai merdé. Merde. Ma nouvelle mort, putain de merde. Et voilà ma nouvelle mort filmée des deux côtés. Oh non, c'est pas vrai. Et ben voilà, vous savez pourquoi j'ai ma 15e mort, voilà, ma 15e mort. Pourquoi je peux compter? J'ai voulu faire comme Panta, me contenter de viser dans le trou, faire un espèce de dé à coudre en visant le machin, mais vous pouvez voir que je suis pas très doué au dé à coudre. Sur ce, on va conclure cet épisode là-dessus, sur ce magnifique fail. Je suis pas fail Tasio, pour ceux qui se poseraient la question. Allez, moi je vais récupérer mes affaires et je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh putain, ciao. Mais quel boulet, quoi.